ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page des formations. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une à deux ce soir. La ville de Diré fait à nouveau face à des graves inondations de deux jours. La rupture d'une digue serait la cause de cette catastrophe. Vous allez en savoir davantage dans cette édition. En 2024, la coopération Mali-UNICEF a pu mobiliser plus de 5 milliards de nos francs pour la promotion des droits des enfants dans des régions du centre du Mali. Et malgré cet effort, des dizaines de milliers d'enfants restent privés de leurs droits fondamentaux dans cette partie du pays. Des malfrats de moins en commune 6 du district de Bamako. Cet exploit est l'œuvre du commissariat de police de Yirimadjo qui a mis hors d'état de nuire 3 individus, dont 2 pour braquage à main armée et 1 pour usurpation d'identité et de fonction. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a organisé le mardi 19 novembre 2024 la cérémonie de fin de formation de 400 jeunes en entrepreneuriat. Cette formation qui vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes rentre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Un compte-rendu signé Maïmouna Ouedraogo, Mantala Ouattar. Initiation à l'entrepreneuriat, création et gestion d'entreprises, production de plans d'affaires. Tels sont, entre autres, les modules abordés lors de cette session de formation des 400 jeunes. Initiée par l'APEJ avec l'appui du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et leur partenaire LuxDev, cette formation vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Cette formation n'est pas seulement un investissement dans les compétences de ces jeunes, mais aussi dans l'avenir économique et social de notre pays. Chers jeunes, félicitations. Félicitations pour votre ambition de vous construire vous-même. Cette ambition est la clé pour faire face aux défis, pour innover et devenir les bâtisseurs d'un avenir prospère. Félicitations pour votre persévérance. Félicitations pour votre dévouement. Vous êtes équipés pour écrire votre propre histoire. Souvenez-vous que le succès est rarement immédiat, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et remercié l'APEJ et ses partenaires pour l'organisation de cette session de formation. Dans la formation, on a appris ce qui c'est que la création d'entreprise et comment avoir les documents et où avoir et à quel prix. On ne savait pas ça, mais à travers la formation, on a su ça. Et puis l'éducation financière, vraiment, je les remercie. Moi et tous les bénéficiaires, on les remercie. Donc avec ça aussi, on va appliquer ça dans notre entreprise pour que ça puisse bien se développer. La ministre de l'Entrepreneuriat national, après avoir remercié les partenaires techniques et financiers, a exhorté les récipiendaires à faire de cette formation un facteur de rentabilité. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'XDEV, à ses partenaires, et inviter les groupements de jeunes et de femmes, les promoteurs et investisseurs au sein des filières appuyées, les jeunes primo-entrepreneurs, les partenaires techniques et financiers, les élus des collectivités du district de Bamako et de sa périphérie, et les ONG œuvrant pour l'insertion professionnelle des jeunes, à faire de cette formation acquise un facteur de rentabilité et d'amélioration de leur entreprise. Cette cérémonie de fin de formation a été marquée par la remise des attestations aux bénéficiaires. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la coopération par la coopération Mali-UNICEF pour la période 2024 dans le cadre de la réalisation des activités visant à assurer aux enfants leurs droits fondamentaux dans les régions de Banjagara, de Douanza et de Mopti. L'information a été donnée par les responsables régionaux en faveur des travaux de la revue annuelle de la coopération Mali-UNICEF.
UNICEF qui se sont tenues ce jeudi 21 novembre 2024 à Bandiagara. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. En vue de tirer les enseignements de l'année 2024, l'UNICEF et ses partenaires régionaux ont organisé les 19, 20 et 21 novembre 2024 dans la ville de Bandiagara les travaux de la revue annuelle 2024 du programme de coopération Mali Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Il s'agissait pour l'atelier de faire une analyse des activités et des recommandations issues de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF au titre de 2024 et se projeter dans la planification pour 2025. Le programme actuel a été conçu avec comme vision permettre à tous les enfants de Bandiagara, d'Ouenza et de Mopti, en particulier les plus défavorisés, d'exprimer leur plein potentiel dans un environnement favorable et protecteur. Et cela, quelles que soient les crises et les défis d'accès. Selon le représentant de l'UNICEF, grâce aux engagements communs, d'importants progrès ont été enregistrés en 2024 en faveur des enfants et des femmes, y compris ceux vivant dans des zones fortement affectées par la crise multidimensionnelle que connaît le centre du Mali. L'UNICEF a investi dans les régions de Bandiagara, d'Ouenza et de Mopti plus de 5 milliards 970 millions de francs CFA. Malgré ces chiffres, les défis existent et persistent encore. Malgré les résultats probants réalisés en 2024, les responsables régionaux sont convaincus que bien des défis restent à relever avec 900 écoles fermées pour les trois régions et l'absence de certains services techniques dans les nouvelles régions. Une analyse approfondie des progrès vers les résultats et les principaux défis et goulots qui entravent la réalisation de ces résultats seront examinés. En vue de définir les interventions à haut impact pour l'accélération et l'atteinte de plus de résultats pour les enfants. Pendant trois jours, les acteurs venus des régions de Mopti, Bandiagara et de Ouenza ont passé au peigne fin les activités visant à assurer aux enfants leurs droits fondamentaux que sont l'accès à l'éducation, la nutrition, la survie, l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection de l'environnement. Cette année, la revue qui a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des enfants a été une occasion pour l'UNICEF et ses partenaires de prendre un moment pour célébrer les enfants. Par ailleurs, malgré la fin des pluies, certaines localités sont toujours sous la menace des inondations. C'est malheureusement le cas de la ville de Diré qui est confrontée depuis deux jours à une nouvelle catastrophe après la rupture d'une digue. Emma Fifamenounaon nous en parle. L'incident s'est tenu dans la nuit du mercredi au jeudi 21 novembre 2024 vers minuit. Les populations de la commune urbaine de Diré ont été confrontées à une montée des eaux due à la rupture de la digue de protection. La situation a provoqué une vive inquiétude chez les habitants riverains. Selon des habitants, le canal principal d'évacuation des eaux a commencé à renvoyer l'eau du fleuve. Cela aggrave la situation déjà critique, indique-t-il. Les mêmes sources ajoutent que des milliers d'enfants se retrouvent dans l'obligation de poursuivre leurs études dans des conditions difficiles, tandis que de nombreuses maisons se sont effondrées. Les inondations qui ont eu lieu au Mali cette année n'ont pas de précédent depuis 50 ans. Plus de 255 000 personnes ont été affectées, 263 écoles se sont effondrées ou ont été endommagées, et 187 ont été inondées. On déplore malheureusement et surtout des centaines de personnes qui sont mortes. Depuis quelques jours, l'Agence nationale pour la communication et le développement ANCD accueille la troisième édition du programme de promotion du genre dans les secteurs des médias. Et ce jeudi, le directeur général de PUMU Mali a animé un module sur l'audit et le contrôle au Mali, apportant des outils essentiels aux jeunes femmes journalistes. Aminata Bachokone, Montala Ouattara, compte rendu. La salle de formation de l'ANCD vit depuis le début de la semaine au rythme de la troisième édition du programme de promotion du genre dans le secteur des médias, destiné à outiller les jeunes femmes journalistes. Cet événement ambitionne de réduire les inégalités de genre tout en renforçant les compétences des participantes. Le jeudi 21 novembre, elles ont profité de l'expérience du directeur général du PMI Mali avec un module consacré à l'audit et au contrôle au Mali. Une thématique qui, selon le conférencier,
s'inscrit dans les bonnes pratiques de gouvernance nécessaires pour garantir la transparence et la bonne gestion des institutions. L'utilité, c'est que les journalistes sont une voix porteuse. Et c'est important que ces journalistes comprennent déjà quelles sont les différentes conclusions au niveau des rapports fournis par les auditeurs, de façon à éviter les mauvaises interprétations, les amalgames entre ce qui peut être anomalie et ce qui peut être preuve à proprement parler, de manière à ce qu'on ne puisse pas aller trop vite en besogne dans les accusations. Le DG du PMI Mali a également insisté sur le rôle des médias dans la sensibilisation des citoyens quant à l'importance des contrôles dans les sphères publiques et privées. Il a encouragé les participantes à s'approprier de ces concepts pour mieux informer et défendre les principes de transparence et d'intégrité. Et il y a un réseau qu'on aimerait bien voir un jour, le réseau des journalistes spécialisés en audit. En fin de sa session, le directeur général de PMI Mali a félicité les participantes pour leur engagement et leur curiosité. Il les a invitées à mettre en pratique les enseignements reçus pour devenir des actrices de changement dans les rédactions et au-delà. Ces modules s'inscrivent comme une pierre de plus à l'édifice d'une presse malienne inclusive et professionnelle. L'association IGDA des femmes de Ménaka et l'association Citoyens Modèles ont organisé le samedi dernier dans un hôtel de la place une cérémonie d'hommage et de reconnaissance à Maître Soyata Maïga, ancienne magistrate, avocate inscrite au barreau du Mali. Cette cérémonie vise à célébrer la bravoure et le dévouement du récipiendaire. Omar Koïta. Commandeur de l'Ordre national du Mali, Maître Soyata Maïga s'est toujours battu pour défendre les droits des personnes défavorisées et l'État du Mali. En reconnaissance de tous ses efforts, l'association INDA des femmes de Ménaka et l'association Citoyens Modèles ont décidé d'élever Maître Soyata Maïga au titre de citoyen modèle. Comprenez-moi donc pourquoi le choix de notre organisation et celui du comité de validation s'est porté sur celle qui a répondu favorablement à l'appel des concitoyens et à la nation, tant dans sa vie professionnelle que dans divers secteurs. Maître Soyata, cette brave dame présente sur tous les fronts, au bureau, le citoyen modèle a eu un autre nom, une Amazon du développement. Depuis son enfance à nos jours, Maître Soyata a rendu de nombreux services à notre communauté, et particulièrement aux jeunes, femmes et enfants. Toute la population de Ménaka est fière d'elle et la remercie. La chefferie traditionnelle de la commune, on remercie la chefferie traditionnelle de la commune pour la distinction. Maître Soyata Maïga, plusieurs fois récompensé à l'échelle nationale et internationale, mérite cette reconnaissance selon ses anciens collaborateurs. Malgré le poids inexorable de l'âge, tu continues à te battre pour tes convictions et tes idéaux. Et je puis rappeler qu'au moment où les habitants de la commune 2 de Bamako et tes parents de Ménaka t'honoraient, tu étais encore en mission. Tu étais encore en mission dans la corne de l'Afrique. Ému par cette reconnaissance, Maître Soyata a remercié les organisateurs de cette journée de reconnaissance et promet d'œuvrer encore plus pour le développement du Mali. Je pense qu'il est très très important ce message-là de l'association Citoyen Modèle. Et surtout, ce qui m'a fasciné, c'est l'accompagnement des légitimités traditionnelles. C'est ce que j'ai retenu de mes différents parcours. Chaque femme, chaque homme que j'ai rencontré est un trésor. C'est un trésor. Il faut être patient, il faut être déterminé, il faut être organisé et le reste suivra. Cette cérémonie de reconnaissance a pris fin par la remise des récompenses à la récipiendaire. Le commissariat de police
fils de Yirimadjo a mis hors d'état de nuire du 16 au 19 novembre 2024 trois individus, dont deux pour braquage à main armée et un pour usurpation d'identité et de fonction. Les mises en cause déférées devant la justice ont été placées sous mandat de dépôt. Assitan Diallo. Le commissariat de police de Yirimadjo a mis hors d'état de nuire du 16 au 19 novembre 2024 trois individus, dont deux pour braquage à main armée et un pour usurpation d'identité et de fonction, apprend-on de la Direction générale de la police nationale. Selon la même source, ces présumés braqueurs, par leurs initiales AD et YD, de 21 à 27 ans, sont accusés d'avoir dépossédé un citoyen de sa moto vers 5 heures du matin. Alertés par la clameur publique, une équipe de patrouille du commissariat qui s'est rendue immédiatement sur les lieux a pu interpeller les deux suspects, mais ils avaient réussi à se débarrasser de l'arme utilisée pour l'opération. Pour l'usurpateur d'identité et de fonction, appelé par ses initiales MSD, dans ses quarantaines, a été mis aux arrêts par l'unité mobile de surveillance et d'intervention, en collaboration avec le commissariat de Yirimadjo. Ce dernier, se faisant passer pour un cadre de la police, a enregistré à son encontre plusieurs plaintes, d'où l'objet de sa recherche active par les unités d'enquête. Appréhendé par les limiers, une fouille et une perquisition domiciliaire ont permis de saisir des tenues uniformes, une paire de menottes, 5 passeports, une carte grise, 2 téléphones, une carte d'identité biométrique, une copie d'un permis de conduire, plusieurs documents liés à des parcelles, recrutement, passeport et visa, tous au nom de différentes personnes. Toujours selon cette source, la mission fondamentale de la police nationale est de protéger la population et ses biens, tout en insistant sur l'importance de la coopération entre les différentes unités de police. Les mises en cause déférées devant la justice ont été placées sous mandat de dépôt, rassurant de poursuivre les enquêtes. Le commissaire chargé de Yirimadjo a félicité les hommes pour leur efficacité et les exhorte à persévérer dans cette voie. Suivant la vision de ses chefs hiérarchiques, il appelle la population à plus de vigilance et de bonne collaboration. Lors d'une conférence de presse conjointe, la Fédération malienne des sports hippiques et équestres et Pemu Mali ont fait le point sur leurs efforts afin d'améliorer la race chevaline au Mali. Une occasion de présenter les perspectives et de célébrer les performances des jockeys maliens au Grand Prix d'Afrique des courses de chevaux à Marrakech. C'était ce jeudi dans les locaux de Pemu Mali avec nos reporters Aminata Bachokone et Montala Ouattar. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue ce jeudi 21 novembre la conférence de presse conjointe de Pemu Mali et de la Fédération malienne des sports hippiques et équestres. Objectif, mettre en lumière les efforts réalisés pour l'amélioration de la race chevaline, un enjeu crucial pour le développement des courses hippiques au Mali. Ce que nous cherchons à travers cette amélioration, c'est doter la Fédération d'un vivier important, des races améliorées, des chevaux qui vont concourir, qui vont participer à la course, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. Or, présentement, avec les chevaux que nous avons, il y a des normes de participation à ces courses, il y a des qualités des chevaux qui sont recommandées pour participer aux courses. Donc, il faudrait forcément que nous améliorions notre cheptel équin dans ce domaine pour pouvoir relever un peu de défi dans le domaine des courses hippiques. Le DGET a également évoqué des perspectives intéressantes qui se dessinent pour Pemu Mali, notamment l'organisation future de courses de Paris au champ hippique de Bamako avec des chevaux pur sang maliens. La Fédération, aussi bien que nous, dans la dynamique et dans la perspective, c'est à cela qu'on veut arriver un jour. Organiser nous-mêmes les courses, comme aujourd'hui le Maroc est en avance et en train de le faire, pourquoi pas le Mali. Mais pour cela, c'est pour cela que j'ai parlé tantôt d'un état de lieu de la race chevaline qui nous permet de savoir par où commencer et par où terminer, parce que c'est un ensemble qui va ensemble par rapport à cette organisation. Le président de la Fédération malienne des sports hippiques et équestres, enthousiaste, a exprimé sa fierté après la participation des jockeys maliens à la 3e édition du Grand Prix d'Afrique à Marrakech. J'étais encore beaucoup plus enthousiaste parce que la course s'est passée sous mes yeux.
Et il est monté sur le podium sous mes yeux, donc j'étais plus que jamais content du fait que non seulement j'étais là, le DG du PMU était là et beaucoup d'autres membres du PMU étaient là aussi pour couronner l'événement. Et j'avoue sincèrement, c'est quelque chose de très réjouissant. Au terme de la conférence, un moment symbolique a marqué les esprits. La remise d'un chèque de 250 000 francs CFA au jockey malien ayant remporté une course lors du Grand Prix d'Afrique. Des trophées ont également été présentés pour célébrer cette performance, témoignant des ambitions communes de PMU Mali et de la Fédération pour l'avenir des sports hippiques au Mali. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir en vous présentant cet ouvrage de Seydou Camara intitulé « Histoire générale des Camara ». Ce livre de 382 pages de Seydou Camara retrace, comme son nom l'indique, l'histoire générale des Camara, les rôles joués par les Camara dans le Mandé. Seydou Camara est auteur de nombreuses publications scientifiques, notamment « Au cœur de l'effort » publié par la Sahélienne en 2019, à l'ombre des nuages, également publié par la Sahélienne en 2019, et maintenant l'histoire générale des Camara qui résulte d'un long travail de recherche. À consommer, et c'est disponible dans toutes les librairies de Bamako. À demain pour de nouvelles informations. Bonsoir.